Recette de macarons à la fraise. Pour 24 macarons, il vous faut 2 fois 55 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre en poudre, 40 g d'eau, 50 g de sirop de glucose, 140 g de poudre d'amande et 160 g de sucre glace. Sur une feuille de papier sulfurisé, prendre un tamis, y verser le sucre glace et la poudre d'amande. Tamisez les deux poudres ensemble. Bien replier la feuille de papier sulfurisé sur elle-même de façon à homogénéiser les deux poudres. Placer de côté. Mettre en place la cuve du batteur et une casserole. Verser les blancs d'œufs, monter à vitesse lente. Ajouter le sucre dans la casserole. L'eau. Porter à ébullition. Trempez votre main dans l'eau froide. Saisir l'équivalent d'un petit œuf de sirop de glucose déposé dans le sucre en ébullition. Laissez cuire jusqu'à 117 degrés. Retirez du feu. Versez tout doucement le sucre le long de la cuve du batteur de façon à ne pas toucher le fouet et à ne pas causer de projection de sucre. Laissez tourner pour laisser refroidir la meringue. Ajoutez le colorant rouge. Laissez tourner. Prendre un bol. Y verser le mélange poudre d'amande et sucre glace. Ajouter la deuxième moitié des blancs d'œufs. Mélanger jusqu'à ce qu'il soit complètement incorporé. Ajouter la meringue italienne. Mélanger jusqu'à ce que la meringue soit complètement incorporée à la poudre d'amande. Mélanger la pâte jusqu'à ce qu'elle forme un cordon lisse et élastique. Prendre une poche avec une douille de 5 mm et la garnir de l'appareil à macarons. Prendre une plaque à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé ou de silicone et commencer à pocher les macarons. Il doit faire à peu près 4 cm de côté. Une fois que la plaque est complètement garnie, légèrement la tapoter pour retirer les bulles et bien étaler les macarons. Enfourner à 180 degrés. Puis baisser le four à 160 et cuire 13 minutes. Laissez refroidir. Pour la garniture, il faut 220 g de confiture de fraises et 4 feuilles de gélatine réhydratée. Placez la confiture dans le contenant d'un mixeur. Mixez légèrement de façon à enlever tous les gros morceaux de fraises. Faire chauffer 30 secondes la confiture de fraises au micro-ondes. Ajoutez la gélatine et mélangez jusqu'à ce que la gélatine soit complètement fondue dans la confiture. Laissez refroidir avant de placer dans la poche. Sur une feuille de papier sulfurisé, disposez les macarons une face vers le haut, une face vers le bas. Garnir de crème le centre du macaron. Fermez en reposant le capuchon par-dessus. Les macarons sont encore meilleurs s'ils sont gardés pendant un ou deux jours au frigo. Placez dans une assiette puis servir.